Vlog spécial Ibiza, donc spécial petit séjour, court séjour pour vous montrer un peu ma routine parce que mon vol est très tôt, il est à 7h du matin, mes copines sont en train de dormir puisque je suis rentrée il n'y a pas longtemps de soirée, là il est quelle heure, je crois qu'il est 4h du matin, donc je vais vous montrer rapidement ce que je fais, là mes cheveux sont un peu, mes boucles sont détendues parce qu'elles sont mouillées, quand je me suis douchée, c'est... ça s'est mouillé. Donc voilà. Donc comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo, j'ai lavé mes cheveux avec mon gouache et j'ai fait mes boucles. Donc là, mes cheveux sont en... Bon, le devant est un peu... Le devant est un peu chelou, c'est normal, je les ai tirés. Mais mes cheveux sont bien. Ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien. Mes boucles, elles sont là. Là, on est bon. Mais comme je vais prendre l'avion et que je n'ai pas forcément envie de les garder lâchés et que je veux optimiser ma valise puisque j'ai pris quelques souvenirs, je vais vaporiser déjà un petit peu de mon spray sur mes cheveux. Ensuite, finir le petit yak de gel de Curly Belly. Vous savez d'ailleurs que c'est un gel qui est à base d'huile de coco, mais bon, je sais qu'il y a des sweeties sont pas très fans de l'huile de coco, mais vous inquiétez pas, on le sent pas, ça n'assèche pas, ça fait aucun dépôt. Franchement, rien à dire. Le seul truc que je pourrais vraiment critiquer de ce produit de Curly Belly, c'est le fait que ce soit trop petit. Voilà quoi, enfin moi, 236 ml de gel, c'est pas assez. Et de fond, je vais plaquer avec mon kératine matte air wax de Redbois. Voilà. Je regarde en même temps le miroir que je regarde la caméra, donc vous inquiétez pas si mes yeux vont. Donc là, vidéo assez courte puisque je vais uniquement, c'est toujours aussi froid, vaporiser un peu de mon spray. Beaucoup parce que si je mets trop d'eau, ils seront mouillés et qui dit mouillé, dès que ça va être exposé à l'air, ça va me faire des frises aussi. Donc c'est légèrement pour reformer, pour rendre le jeu plus malléable. Donc voilà. On est bon. On est bon là. Un petit chouïa, le mettre sur mes pointes parce que je vais attacher mes cheveux, donc ce sont mes pointes qui vont le plus se voir. D'habitude, comme vous avez pu voir sur la deuxième vidéo Airblock, la première, je sais plus, je travaille les petits endroits qui sont un peu frisottés comme ça. Vous voyez là, ces frisottés là. D'habitude, je mets un petit peu de gel pour arranger, mais comme je vais les attacher, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Ça fait trop bizarre de faire une vidéo en chuchotant. On dirait que je fais de l'ASMR. Donc voilà. J'ai ajouté le chou. Aujourd'hui, je suis impressionnée. Non, je pense que c'est parce que j'ai fermé la porte, donc il n'y a pas d'autre luminosité.
c'est vrai que c'est un effet très, on dirait que je mets une pâte de craie, une pâte d'argile. Je sais pas trop comment vous expliquer la sensation parce que ça n'a rien à voir avec le red wine bleu ou noir ou rouge. Ça n'a rien à voir. La texture, le toucher, ça n'a rien à voir. Je vous le dis tout de suite. Donc, je mets, ok, mes cheveux sont blancs. Vous allez me dire, oh putain, mais Louis, c'est dégueulasse. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Ça va bien se passer. Donc voilà. Normalement, j'ai ma brosse en poil de sanglier, mais comme une imbécile, je l'ai oublié. Donc, je vais prendre ça. Vous passez votre main comme ça. On passe la brosse, on passe la main. On passe la brosse, on passe la main. Et ça plaque instantanément le cheveu. Regardez. Je pourrais même faire des bébières avec ça. C'est que vous savez que moi, je ne suis pas une team bébière. Et j'aime le côté mat que ça apporte, au sens que pas de brillance, voilà quoi. J'aime quand même mon cheveu brille, à savoir mes longueurs, mais le devant, là non, j'aime. Voilà. Vous accompagnez vraiment le mouvement pour donner la forme et faire pénétrer le produit. Et maintenant, on n'a plus de blanc. Il n'y a plus de blanc. Voilà. Ah, je vais bien. Ah, je fais une demi-queue de cheval. On va faire une demi-queue de cheval. Donc là. Tac. Tac. Je sais pas, j'avais une habitude de queue. Je vérifie que les côtés, donc je regardais que le miroir à côté, excusez-moi. Je vérifie que les côtés sont bien. Ok. Je vais rajouter de la cire là parce que j'ai pas mis assez. Faire trop de tours. 4 tours. Ça me suffit. Tac. Tac. Et voilà, je suis coiffée. Mais ouais, je suis coiffée. La meuf qui se demande est-ce qu'elle est vraiment coiffée. Mais ouais, je suis coiffée. Au final, la vidéo n'a pas été si courte que ça. Je tenais à préciser, je suis déjà allée. Est-ce que je lâche comme ça? Ouais. Écoutez. On va lâcher comme ça. On s'en fout du reste. Ouais, comme ça. Ouais. Regardez. Mes boucles. Comment j'applique ma cire Edward. Vous avez vu comment je rafraîchis encore.
à ce moment.